Salut, salut, c'est Bilou et nous revoilà sur ma petite map solo. Alors, comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, qui était pas vraiment un épisode, mais plutôt un récap de tout ce que j'avais fait en construction, je vous ai montré donc ce que j'ai fait toute seule, puisque oula, j'ai eu envie de construire sur ma map quand j'étais toute seule. Donc comme c'est pas vraiment une aventure suivie, ben voilà, je me suis fait plaisir. Donc ce que je voulais vous montrer également, c'est que dans l'épisode encore avant, je devais aller chercher du bois. Donc ce que j'ai fait, je me suis restuffé, donc ça c'est pas à moi, hein, c'est le créa, ça c'est mes coffres. Je me suis restuffé en bois. Il est où mon bois? Donc il y en a là, j'ai dû le mettre ici. Voilà, ça c'est ce que j'avais sur moi. Donc je me suis restuffé en bois et je me suis fait des outils en fer. Où est-ce que j'ai foutu mon bois? Ben, ça doit être celui-là et celui-là, je pense. Je ne vous ai pas publié les épisodes parce que ça n'avait aucun intérêt, puisqu'en fait j'ai été chercher du bois et je me suis juste paumé. Voilà. Et là, on va faire un petit peu de construction ensemble. Donc, je vous explique l'idée. Ça là, je pense que je vais en faire ma chambre et ma salle de bain. Et ici, vraisemblablement, là, le salon, là, voilà, la salle à manger, c'est pour ça que j'ai mis des petites choses pour se repérer, et là, la cuisine. Devant, je ne sais pas encore, certainement une sorte de jardin, et voilà. Donc voilà, donc j'ai décidé d'essayer un petit peu les matières que je connaissais pas. Donc la sandstone orange là comme ça, hein, je rappelle que ça fait 4 ans que j'ai pas joué, donc il n'y avait pas cette sandstone à l'époque. Donc du coup, je me suis dit tiens, on va essayer de faire ça, faire avec des blocs que je connais pas trop. Parce que si c'est pour vous refaire la même déco qu'avant, c'est pas utile. Donc je vais utiliser ce verre-là. Et du coup, j'ai posé au sol plusieurs textures pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et je pense que je vais m'arrêter sur le vert et le parme. Parce que je trouve que ça va bien ensemble. Parme et peut-être parme et gris pour faire des comment dirais-je, vous voyez, si on fait ça, parme et gris, c'est pas mal, ces trois là là c'est pas mal. Alors du coup, je sais pas, je pense que je vais faire le sol en vert et les murs en parme, en violet et en gris. Donc je vais poser les blocs ici pour pouvoir les recliquer quand j'en aurai besoin, et je vais donc nettoyer tout ça et faire le sol donc dans cette couleur-là. Donc je vous reprends quand c'est fait, parce que ça franchement c'est pas drôle de me voir juste faire des trous, et vu qu'on a que 10 minutes d'épisode, je vous reprends quand c'est fait. À tout de suite mes loups. Alors en fait j'ai mis de la sandstone là sur le rebord, parce que si je mets directement du violet, vous voyez, ça va pas du tout aller avec l'orange. Donc du coup, j'ai mis de la sandstone puisque là il va y avoir que de la vitre. Et voilà. Et du coup, j'ai vu que ça va nous doubler nos murs, hein, puisque là les murs intérieurs, du coup, ils vont être là. Bah, comme ça nous fera une petite déco à mettre sur les rebords de fenêtres. Ah ouais, tiens, ça va faire un petit peu comme si on faisait des fenêtres. Comment dirais-je? Ah, comment ça s'appelle? En Hollande, il y a ça beaucoup. Vous savez, ils ont des fenêtres qui descendent jusque-là, et puis ensuite ils ont de la déco sur leur rebord de fenêtre. Donc du coup, ici on peut remettre de la déco. Donc je vais faire juste celle-là pour voir ce que ça donne depuis l'extérieur, parce que sinon le violet là c'est juste, oula, c'est juste pas possible. Hop. Voilà, donc du coup, on verra pas trop le violet. Après, on le verra sur la déco intérieure, mais au moins de l'extérieur. Bon, au pire, on changera ça après. Donc du coup, je vais faire ça comme ça aussi, je pense. Où sont mes portes? Voilà, je vais les reposer. Et voilà. Donc je pense qu'on va faire ça comme ça.
Ça fait bizarre ces trois couleurs là. Mais en même temps, il n'y a pas à tortiller. Je peux pas du tout mettre du violet sur du orange là. Ou alors je fais que de la glace, enfin de la vitre. Bon, on verra après. On verra après. Donc voilà, le sol va faire ça. Donc là, ça va être la salle de bain et là, ça va être la chambre. Donc, bah écoutez, je vais continuer à faire les murs. Bah écoutez, je vais d'abord mettre tout en violet et ensuite, je verrai. Non, là c'est de la stone qu'il faut que je mette. Négourde la dame. Hein. Voilà, je vais aller en mettre en face tant que j'y pense. Hop là. Voilà, même de l'intérieur. Ce sera pas moche. Bon, je vais tout mettre en violet et je verrai après ce que ça donne. Comment je peaufine le truc. Ensuite. Donc bah pareil, hein, je vous reprends quand j'ai terminé ça. À tout de suite. Voilà, donc de l'extérieur avec la sandstone et le vert, ça va donner ça. Bon, j'ai refait finalement le palier là, je l'ai mis en vert. Et donc voilà ce que ça donne en termes de couleurs. Bon, moi j'aime bien, je trouve ça bizarrement pas criard. Bon alors pour l'instant il n'y a pas de déco, hein, donc ça fait un peu, comment dirais-je, à part de démonstration là, mais c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, donc là je vais d'abord, je pense, faire mon lit et ensuite, attendez, je vais mettre ça dans le coin pour bien voir clair. Et ensuite, je verrai au niveau de ce que je fais sur les côtés. Sur les côtés. Parce que. Attendez, parce que tiens, j'ai envie de faire un truc un peu moderne. Voilà, donc là, je suis à 1. Est-ce que je pourrais pas. Sur un bon chiffre. Alors à moins que je fasse ça comme ça. Non. Bon, ça je verrai une fois que j'aurai fait le lit. Une fois que j'aurai fait le lit. Bon alors, on va se faire un lit à la biloulette folle, hein, donc un truc énorme comme d'hab. Alors, les lits, ils sont où? 5, 5, là. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire comme lit? Vert sur vert, non. Peut-être, alors, soit gris clair. Soit, la violet, là, ça va pas être beau, je pense. Je vais les poser, on verra ce que ça donne. Noir. Et gris clair noir. Bon, je vais essayer à tout hasard. On va voir ce que ça donne en les posant. Bon, ça non. Ça, pourquoi pas. Alors attendez, j'ai 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Bien sûr, j'ai encore rien compté du tout. Bon, on peut faire un lit triple, hein. Après tout, on peut se faire un king size de la mort. On peut se faire un king size de la mort. Alors par contre, qu'est-ce que j'ai comme dalle qui pourrait aller. Ah bah tiens! Est-ce que dans ce cas-là, ça rappellerait le gris qu'il y a. Ah ouais, mais alors. Je vais essayer un truc. Bon, ne criez pas derrière votre écran. Vous savez comment je suis. Je fais des trucs et je rectifie éventuellement après. Alors ça, c'est du king size, hein, ça rigole pas.
Alors attendez, parce que du coup, du coup, si je faisais. Ouais, si on est d'accord que si je fais ça. Bof. Bof, bof, bof. On dirait un bonhomme en fait avec une tête, des bras et un t-shirt. Donc, est-ce que. Voilà, déjà, ça fait un petit peu moins bonhomme t-shirt. Bon, sinon, en bois, qu'est-ce que j'ai? Attendez, ça s'appelle comment? Des slabs. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme slab qui pourrait aller? Le bois foncé, ça va pas le faire. On peut peut-être essayer ça. Alors, je suis à 11 minutes. Bah écoutez, je fais des essais, puis je vous reprends dans l'épisode prochain. Hein. Je vous fais des bisous, mes loups. J'avais pas vu. Allez, bye bye.